Rebonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons rentrer la caillou une autre fois encore pour vous toutes les dernières informations capables de brasser bille politique pays. Surtout dans sa qui gare à dernier jour sa yon, manifestation tribord par bord, kidnapping, zinc cap fait dans la rue Port-au-Prince. Eh bien, nous toujours au diapason. À chaque fois, yon nouveau information tombée. Eh bien, nous là pour porter yon pour vous nan bon timamite. Pas oublier, réseau a pas d'el, pas trois, li pas l'autre que gros réseau a. Réseau Paula, réseau information Sofia TV 83. Avant d'entrer dans le détail, information yo, songez partager, abonner et puis continuer liker vidéo comme ça vous êtes capable toujours être notifié à chaque fois nous lagué yon nouveau vidéo. Nous pral entrer dans information yo directement pour nous dire journée jodi a la plusieurs centaines agents police nationale la té manifesté jodi a dans capitale Port-au-Prince là pour yon troisième fois fouler béton hein, pour faire revendication au passé qui pas changé continuer à dénoncer mauvais traitement y a subi dans corps police là. Manifestant yo fois ça té metté maillot rouge pour faire reste marche là té tenté entrer dans commissariat Pétionville là pas ban pas paquet. Samedi plusieurs nan yo té accompagné de amis famille et puis menacé pour boycotter activité carnaval là dans Port-au-Prince qui prévoit fête. Donc on a suivre quelques policiers qui t'a parlé suivi de Yannick qui c'est chef de file dans tête mouvement ça côté yo campé dandi pour river mettre yon syndicat dans tête police là. N'a rappelé divers bruit qui a couru te fait quoi côté yo accusé policier yo après match là pas mettre difé dans stand qu'a préparé pour période carnaval là sous champ de masse. Exiger bon gens conditions de travail, yon pi bon salaire pour policier yo et puis veiller façon promotion à bail en d'institution, c'est parmi l'autre raison qui pousser policier yo former syndicat si là. Pour une troisième fois, policiers ont marché dans la rue capitale la lundi ça et revendications n'ont pas changé. Il est temps pour les policiers suspendre souffrir, il est temps pour les policiers mal mourir. Les policiers ont mouru, ils n'ont pas encadré petit yo famille. Les policiers ont mouru l'hôpital parce qu'ils n'ont pas eu de soins. Les policiers ont l'air pour être capables de payer nos biens. Nous avons demandé justice pour série des policiers qui tombent dans l'exercice fonction. IGBNH. Li pa jamais un jour à l'ouest famille pour qu'on qui ça passe. Syndicat c'est plus gros organe qui capable permettre nous-mêmes pour nous surveiller qui j'en ai mal mené nous. C'est pas ni pour nous faire des autres ni pour nous faire un l'autre la police non loin de là. C'est pour défendre droit nous pas pour faire des autres, il pas besoin peur. Vous senti qu'on peur dans niveau état major là. Oui, qu'on peur bleu. Sorti Kafou aéroport pour arriver Pétionville, protestataires yo, majorité te mettait maillot rouge, promet pour faire tout ça yo connaît pour syndicat ça mettait campé. Yo même menacé boycotter carnaval là ni ça. Nous mettait tête nous ensemble avec confrères nous yo pour nous bataille, pour demander justice et nous voulons revendication nous en passé, vu avec ça que nous demandé qui c'est syndicat PNH là. Et ben toutes les autorités nous ça. Après ma ça, il y a plus de 12 heures pour réagir et sinon, pas de carnaval. Rivé devant local, direction générale PNH là dans Pétionville, quelques policiers qui étaient tentés d'entrer dans l'espace là, pas de capable. Responsable des GPNH, t'es fermé toute porte yo pendant protestataire au tas privé. Il y a quelques agents Simoto qui étaient crampés en bandition. Dans le message final, coordonnatrice syndicat police nationale d'Haïti, Yannick Joseph, rappelait la constitution prévoit liberté syndicale pour tout travailleur public d'un coup privé. DG, nous grand groupe, école publique nous pas payer, CAI nous pas payer, DG nous frustrés, nous bouquons, diversion, sanction, revocation, comme somme de nos pères, derrière nous légal, PNH légal, syndicat légal, syndicat joint. Cadre légal li dans loi qui crée la police là la constitution pays d'Haïti dans article 16 17 28 31 comme fait pour toi. N'ab souligné, après déclaration finale, Yannick Joseph là, quelques policiers tirent les amis, fait quelques cartouches en l'air, ça qui t'a créé gros panique dans son nom. Voilà, ou s'entendez yon bout nan reportage spécial ça, côté policier yo te fait marche jodi a pour te faire revendication yo passé qui se mette yon syndicat
campé nan tête police la. Koulia la, nous pral tande yon bout nan déclaration ancien candidat à la présidence la, secrétaire général RDNPA, qui prononce le sous-droit policier, sous-droit ak devoir policier genye pou mande bon jan traitement nan cadre travail yo. Machan Bolet la te profite prononce le sous insécurité à Cap Valley terrain, aller plus loin pour rassurer population an, le yo au pouvoir y a fini à causer insécurité à exact kidnapping la. Pour plus de détails, en attendant yon extrait ak secrétaire général la RDNPA, Machan Bolet la, Eric Jean-Baptiste, sous réseau Paula, Sofia TV 83. Faut qu'on dit que la Constitution, jusqu'à maintenant, c'est lui-même qui m'a mis en loi pays. Et la Constitution, lui reconnaît à tous les groupes qui décident d'organiser, pour défendre l'intérêt. Cependant, il bien dit tout, c'est dans les limites fixées par la loi. Et de l'autre pays, côté que moun yo pas confondre libertinaille avec liberté, que gagne syndicat dans la police. Cependant, yo pas confondre libertinaille avec liberté. Même Jean, journée aujourd'hui, nous, après 7 février, côté que bon génération qui mène en pile bataille, nous réussissons un droit à la parole, mais nous tous ouais que son droit qui est presque menacé, menacé par qui ça? Li menacé par licence, par libertinaille, que tout le monde dit, tout ça yon vle, Jean yon vle, sur n'importe qui moun, à n'importe qui moment. Nous pas ta souhaité tout, que dans le cadre défense, que les policiers ont un droit pour faire, qui pour améliorer les conditions de travail, yon, nous pas ta souhaité que le syndicat ça a tout. S'il t'a monté, l'État vient tourner en libertinaille dans une institution qui est aussi fragile que la police. A trépassé que le pays a trépassé, je ne veux dire, nous avons insécurité, nous prenons une coquine chaîne longue chaque jour. Laissez pas une, c'est deux, et nous avons laissé même 5 familles, 10 familles qui ont kidnappé. Nous avons demandé l'État, ça a dit là, prend responsabilité. En attendant, nous avons dit à Bandio, cap taille banda. Ta e banda, la ouze pas loin levé. La ouze pouvoir RDNPA sous route pour le river. Moi même Eric Jean-Baptiste, moi bay peuple la garanti ça. Nous au pouvoir n'a éradiqué question banditisme. Naturellement avec les rigueurs de la loi, l'État, c'est lui-même qui gagne dans pour être le monopole légitime de la violence. Eh bien, nous-mêmes, au pouvoir, nous bâillons garantie que machin yo a retourné joindre marché quoi pour ça. Nous bâillons tout le monde dans le Grand Sud garantie que village de Dieu n'a réglé problème ça. Dans le kidnapping, il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a un aspect social, là, côté que il y a un banditisme effectivement qui a fait, mais probablement qu'il y a un aspect politique là, tout, parce que n'a pas songé, c'est pas la première fois. Dans la bataille politique, il a utilisé kidnapping pour déstabiliser le pays. En 2004, on a rappelé qu'il y a une opération Badgad qui était faite. Le Sahara, on a rappelé qu'il y a même l'an mort, il y a aucune chaîne journaliste, Jacques Roche, qui était passé dans la question ça. Donc, ça ne va pas étonner nous que c'est dans le cadre de la lutte politique pour pouvoir que effectivement, tu as gagné question kidnapping dans la donne. Mais au-delà de ça, il est de responsabilité exécutive là. Quitte c'est politique, quitte c'est social, qui c'est économique, n'importe qui secteur qui dans kidnapping, c'est responsabilité exécutif là pour le résoudre question ça. Chose que j'entends, les barrières qui circulent sur vidéo, c'est des choses horribles. Des témoignages même des vidéos de viol collectif qui circulent sur là, c'est horrible. Et ça demande qu'on mette. Et chaque fois, bah, ça arrive, c'est tout simplement parce que les gens se rendent compte qu'il y a une faiblesse au niveau de l'État. Et l'État perd du contrôle. Pendant toute une période, l'État est côté, il va pas rentrer, il va pas arriver. Mais jeune garçon à Zamnan, mais a bloqué des pans entiers, des axes routiers importants pour plusieurs départements bloqués. Quand les gens voient ça, ils s'enhardissent, les bandits s'enhardissent et ils se payent sur la bête. Il y a un bruit qui a couru, dit bah là, c'est politique lié. Moi, imaginez que des jeunes politiques apprend kidnapping comme un moyen de faire ça, c'est tellement horrible et inimaginable pour moi. Là, on me dit ça, me dit c'est même pas imaginable. Il faut qu'on vive dans le plus ça, mais ça arrive dans le pays déjà. Question kidnapping, l'obstruction de l'opération Bagdad. Non, que l'opération Bagdad, c'est trop. Opération Bagdad, plus après, il y a une question kidnapping. Absolument. Bon, si il y a un monde qui c'est ça qui est mode de combat, on me dit c'est vraiment dommage pour payer ça. Si c'est ça, si c'est mode de combat, c'est un monde. Même pas accuser personne parce que je n'ai pas d'éléments, je n'ai pas. Ça qui est triste, ça, ouais, opposition à mettre sous pouvoir dire que c'est monde politique et ça va pas de nous résoudre le problème. Moi-même, je ne vais pas accuser personne en particulier.
le pouvoir, c'est job li pour le mettre l'ordre dans le pays, c'est job li pour l'assurer la sécurité des personnes et des biens. Malheureusement, il y a des faillances évidentes dans ce domaine. Bon, il y a des mesures qui sont en train d'être prises, il y a plus de présence dans la police, je vais le fouiller machine officielle. Moi-même, je vais le fouiller toute machine officielle samedi. Oh, ça veut dire que le gouvernement pense que des gens que le bail plaque officielle, mon sérieux, n'ont pas gangstérisme. Ça, c'est un bail gravissime. Avec ce genre de pays, là. Absolument. On a des déclarations que des parlementaires, et qu'on a fait même des oui. Et justement, lorsqu'il faut jeune bail, ça, il n'y a pas les mesures qui sont appropriées, qui sont prises. Mm-hmm. Tout le monde dit, c'est l'école laguée. Je dis que même kidnapping qui fait avec armes blanches. Donc, ça veut dire, lorsqu'il y a un système bail, ça qui commence, ou il y a un phénomène copycat, là, et il y a qui dit, ah, tu es la facile. Bon, mal fond 50 000 gouttes, bon, mal fond 100 000.